en ce mercredi ensoleillé sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle petite book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre bitlit adulte, un univers assez sombre, un livre que j'ai lu il y a quelques jours, que j'ai beaucoup 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 aimé, même si j'ai quelques reproches à lui faire. Mais globalement, comme il s'agit d'un premier tome introductif d'un univers qui est assez innovant de par la mythologie présentée, j'ai voulu lui mettre une bonne note. Et je me dis, bah tiens, on verra bien dans les prochains tomes si le potentiel est toujours là ou si eh bien c'est toujours aussi nébuleux à mes yeux. Alors le livre en question, il s'agit de Harper Blaine, tome 1, À travers le voile, de Kate Richardson, qui est publié aux éditions Eclipse. Le bouquin est sorti au mois de novembre ou octobre 2010 et il est vendu au prix de 18 euros. Alors, d'abord, il faut quand même remarquer, vous voyez, la couverture, elle est juste magnifique, trop, 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 trop belle. Elle correspond vraiment bien à l'univers de Harper. Franchement, j'adore le soin que Eclipse apporte à ses livres, que ce soit par la couverture, que ce soit par le toucher. C'est vraiment très doux. La maillabilité au niveau de la quatrième de cover, ça, vous voyez, ça s'abîme pas. Ma tranche est toujours parfaite, comme vous pouvez voir. Et bah, évidemment, comme je vous l'avais souligné, bon, je l'ai retiré. Mais à la fin, je vous avais dit, voilà, il y a le petit marque-tapage détachable qui est aux couleurs de Harper. Voilà. Voilà. Et il y en a un dans chaque livre, dans chaque tome, il y a un nouveau marque-tapage. C'est bien pour les collectionner. Alors, Harper Blaine, c'est l'histoire d'une détective privée qui un jour va rendre visite à une personne qu'elle est censée retrouver pour le compte d'un de ses clients. Et cette personne, visiblement, n'avait pas envie qu'on la retrouve puisqu'elle va passer un sacré tabac à Harper. Il y a vraiment une scène de violence très, très, très bien détaillée et très, très violente en début de livre où on voit vraiment que Harper, on la laisse quasiment pour morte. Elle est vraiment entre la vie et la mort. Et elle va d'ailleurs mourir pendant 2 petites minutes avant d'être réanimée. Et du fait de cet accident et d'être morte pendant 2 minutes, elle va avoir sa vie qui va complètement changer. À la minute où elle va sortir de l'hôpital, elle va voir qu'il y a quelque chose de différent. C'est qu'elle voit des brumes, elle voit des drôles de personnages et elle se demande tout d'abord si c'est pas elle qui devient folle. Eh bien non, en fait, elle est devenue une arpenteuse, donc une personne qui est capable de voyager dans la brume. Et la brume, il s'agit d'un univers qui est un petit peu entre à cheval, on va dire, entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est un petit peu un endroit intermédiaire entre les deux, où sont des personnes ou des personnages, plutôt des créatures, qui sont un petit peu entre les deux. Par exemple, les vampires qui sont représentés dans ce roman, eh bien, les vampires ont un pied dans la brume et un pied dans le monde des vivants. Les fantômes, eh bien, c'est parce que ils traînent, parce que dans le monde des vivants, qu'ils se baladent dans la brume, sinon ils passent de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, c'est l'univers. Donc, Harper va essayer de s'habituer à son nouvel état. Et forcément, bon, bah, elle se dit, il faut bien que l'argent rentre. Donc, elle va continuer à travailler. Et en tant que détective privée, elle va se rendre compte que la brume, même si elle aimerait bien ne pas en faire. Si elle aimerait bien totalement en faire abstraction et ne pas jouer avec ça, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas, puisque les affaires qu'elle doit mener, eh bien, sont intimement liées à cette brume. Voilà, je vais pas non plus vous raconter quelles sont les affaires, les enquêtes sur lesquelles elle est. Tout ça, c'est à découvrir dans le roman. Je vous dis, moi, le but de mes vidéos, c'est pas de vous spoiler, c'est de vous donner juste envie de le découvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce bouquin? Eh bien, au niveau de l'histoire, il faut savoir que c'est assez complexe par rapport à la mythologie développée. Quand on suit les histoires par rapport à Harper, à ses enquêtes, et à ses relations qu'elle noue avec ses amis, les Danziger, donc le couple Danziger, ça se passe plutôt très bien. C'est même plutôt clair. C'est sa relation, entre guillemets, amoureuse avec Will, là aussi, c'est très fluide. Par contre, quand on entre vraiment dans les explications de ce qu'est la brume, ce qu'est cet univers spécifique, alors là, je dois dire que c'est pas très clair. Alors, si on est dans la brume, cet état un petit peu où il y a beaucoup de fumée, où c'est assez nébuleux, ben oui, c'est le brouillard total. On peut même le dire, c'est le brouillard aussi pour le lecteur qui a un petit peu de mal à s'y retrouver, même si plus on avance dans l'histoire,
plus on comprend un petit peu ce que c'est la brume, et au début on se retrouve vraiment comme Harper complètement en se disant mais c'est quoi ce monde dans lequel je mets mes pieds? Là ça m'a pas l'air très, très net, très clair. Donc par rapport à la mythologie, c'est quelque chose qui est assez innovant par rapport à ce que j'ai lu, parce que des histoires de monde intermédiaire qu'on appelle la brume avec des créatures bien spécifiques, puisqu'on a des langages, des personnages qui apparaissent comme le gardien de la brume, des choses comme ça, j'ai trouvé ça assez innovant par rapport à ce que je lis habituellement. Par contre, j'aurais bien aimé que ce soit plus clair, parce que c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux et qu'il faut s'accrocher pour essayer de vraiment comprendre de quoi il en retourne. Alors, au niveau de l'histoire, ça bouge pas mal avec les enquêtes. On suit vraiment Harper dans les deux enquêtes qu'elle mène. On voit évidemment que la brume va s'en mêler et que même si elle n'a pas envie de voir cette brume rentrer dans sa vie, eh bien, de toute façon, les êtres qui peuplent la brume viennent à elle. Et elle se retrouve imbriquée dans ces histoires, dans ces enquêtes qu'elle mène, elle se retrouve forcément imbriquée dans la brume et elle va devoir rencontrer des vampires, les interroger pour pouvoir avancer dans son enquête. Donc, qu'elle le veuille ou non, elle va devoir être confrontée aux personnes qui peuplent la brume et elle va devoir faire avec et y entrer de temps en temps pour un petit peu voir ce qui s'y passe. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'histoire. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé. Je voulais signaler aussi dans ma chronique, c'était qu'à un moment donné, elle va enfin, interroger un vampire qui s'appelle Wigan, si mes souvenirs sont bons, et il va lui faire un truc assez bizarre. Et sur le moment, j'ai pas compris trop ce qui se passait. Je me suis demandé si c'était un rêve que Harper avait fait, une drôle de sensation, ou est-ce que ce vampire lui avait fait vraiment quelque chose. Enfin bref, je me suis vraiment interrogée là-dessus et j'ai pas vu les implications de cette chose sur le récit. Donc maintenant, je me dis, comme le personnage apparaît encore en disant oui, t'avances bien, tu vas bientôt pouvoir m'être utile, toutes des choses comme ça. Je me dis que ce vampire Wigan, on devrait le revoir dans les tomes prochains et que cette chose qu'il a fait à Harper, ce n'est pas pour rien et on en aura bientôt la réponse. Mais pour ça, il faudra lire les autres tomes. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Maintenant, au niveau des personnages, concernant les créatures qui peuplent la brume, je vais commencer par eux puisque j'ai vraiment une petite chose à en dire, eh bien c'est assez, comment dire, inquiétant à la fois. On ne sait pas trop si ces créatures sont du côté du bien ou si elles sont plutôt néfastes, si elles sont bonnes ou mauvaises. Enfin bref, ça dépend. Il y a des vampires comme ce Cameron, le personnage de Cameron, en qui on peut se fier, qui est vraiment un personnage naïf, qui est vampire mais qui n'a rien demandé, il n'a pas demandé à l'être, qui se demande encore un petit peu lui aussi comment il va évoluer en étant vampire. Mais on a d'autres personnages vampiriques, ben comme le Wigan en question. On se dit, mais oui, mais lui, c'est pas du tout comme Cameron. On sent vraiment qu'il y a de la noirceur en lui. Donc là aussi, on ne sait pas trop si ces créatures sont bonnes ou mauvaises, si elles sont néfastes pour Harper. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là, mais je me dis, on aura bientôt les réponses dans les tomes à venir. Concernant Harper, puisque je vais me concentrer essentiellement sur elle, eh bien Harper, au début, quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai eu un gros problème avec elle comme narratrice, puisque je l'ai trouvée très détachée, très froide, très distante. En même temps, bon, on l'apprend sur le fait qu'elle vient de se faire tabasser, la pauvre fille, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas dans son état normal, mais au début du roman, on ne lui connaît pas d'amis, personne, rien du tout. Il n'y a aucun personnage qui se raccroche à elle. Tous les personnages qu'on va connaître dans le livre, ce sont des personnages dont elle fait la connaissance par la suite, mais on ne lui connaît pas d'amis, rien du tout. Donc là, je me dis, tiens, est-ce qu'elle serait pas un petit peu solitaire? Donc j'avais un petit peu de mal avec ce personnage qui avait pour seul ami bah, son furet, qu'elle appelle Chaos. Mais bon, j'ai bien aimé ça. Vous savez bien, moi, quand il y a des animaux, une relation assez fusionnelle avec son petit animal de compagnie, bah, j'adore, j'adore et j'accepte tout de suite et j'adhère. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis au fur et à mesure du roman, mais j'ai commencé à la prendre en sympathie parce que je me suis aperçue qu'en fait, elle avait une sacrée répartie, qu'elle était assez empathique vis-à-vis des autres, puisque bon, Cameron, elle va quand même le prendre Donc sous elle va son aile. prendre Cameron un petit peu sous son aile et l'aider. Ça, c'est
particularité que j'ai bien aimée. Puis je me rends compte que finalement, ben, elle a le contact facile, qu'elle va rapidement se nouer des amitiés avec plusieurs personnes qui vont vite l'apprécier. Donc à partir de là, ben, la sauce a pris aussi avec moi. Et puis surtout avec Will Novak, qui est en fait un garçon qui, vous allez vous en rendre compte tout de suite, dès qu'il va connaître Harper, il va tomber sous son charme et il n'a qu'une seule envie, c'est d'être avec elle et il va essayer d'avoir des petits rendez-vous et des choses comme ça. Et bien, durant un souper avec leur premier rendez-vous, et bien voilà, il y a eu une petite anecdote que je vais vous raconter tout de suite. Une petite anecdote qui a fait, bon ben là, je me suis dit, bon ben toi, ça va, Harper, on va être copines toutes les deux, je t'aime bien, quoi. Alors, je vais vous faire part de cette anecdote. Donc, ils sont au restaurant tous les deux. Et qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Voilà, il y a. Il y a Will qui lui demande ce qu'elle veut manger. Donc, j'ai murmuré en lisant le menu. Alors, que me conseillez-vous? Tout. Le cuisinier fait un saumon au gingembre et au citron vert à tomber par terre, et tous les plats de crevettes sont délicieux. Vous saviez que les gens qui mangent beaucoup de crevettes ont un niveau de radioactivité de base plus élevé que ceux qui n'en mangent pas? Des crevettes? En quoi la radioactivité des crevettes pouvait bien m'intéresser? J'ai compris que c'était la nervosité qui poussait Will à déblatérer tout ce qu'il savait au sujet des crustacés. C'était plutôt mignon. Autour de moi, quand les gens sont nerveux, c'est généralement parce qu'ils ont quelque chose à cacher, pas à cause de l'angoisse du premier rendez-vous. Voilà. Et cette histoire de crevettes, ça m'a fait rire. C'est vraiment, moi aussi, tiens, je me serais dit, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de crevettes? Franchement, je me serais fait exactement la même réflexion sur le même ton. Et je me suis dit, bon, ben, ça va, toi, Harper, c'est bon. Toi et moi, on est copines. C'est l'affaire est faite. Donc voilà, c'est grâce à ce genre de petite répartie, de narration, à la première personne que j'ai beaucoup aimé le personnage d'Harper. Puis aussi, j'ai trouvé que. Elle acceptait plutôt difficilement sa condition Qu'elle doit faire d'Harper. avec en fonction bah, de tout ce qui lui tombe dessus. Elle doit essayer de trouver des solutions bah, au fur et à mesure que les problèmes arrivent. Essayer de voir à qui elle peut faire confiance dans ce nouveau monde. Voilà, on lui dit ici, on apprend par exemple qu'il y a une relique noire. Une relique noire, c'est un objet qui possède beaucoup d'énergie magique, on va appeler ça comme ça. Et forcément, on l'appelle relique noire parce que la magie qui l'enferme est une magie maléfique. Donc, elle est là, on lui dit, bon, bah, si tu veux exorciser l'affaire, il va falloir que tu fasses appel à un nécromancien. Elle en connaît un, mais elle ne sait pas si elle peut se fier au gars. Est-ce qu'il va pas vouloir justement l'objet pour lui, pour ne... comment dire, pour justement accumuler plus de pouvoir. Donc il y a quand même des tas de questions qui se posent. Elle doit quand même savoir si elle doit faire confiance aux gens ou pas. Donc elle avance petit à petit et moi j'ai bien aimé bah, ce côté un petit peu de l'enquêtrice qui ne sait pas trop où elle va, qui arrive dans un nouveau monde mais qui se dit bon bah, il faut que j'y aille quoi. De toute façon j'ai pas le choix donc autant y aller tout de suite. Donc ça c'est un côté qui m'a vraiment vraiment plu cher. Niveau style de l'écriture, j'ai pas trop de reproches à faire, j'ai beaucoup aimé. C'est littérature adulte forcément, c'est de la bitlit mais c'est quand même adulte. Donc tout est plus fouillé, les personnages, les décors, les descriptions, tout est beaucoup plus fouillé mais c'est raconté avec dans une comment dire dans un bon style, un style qui n'est pas trop lent, qui met pas trop d'épaisseur, quelque chose d'assez fluide. Donc j'ai vraiment vraiment bien adhéré à ce premier tome. Voilà, donc si je devais vous résumer mes sentiments, c'est un bon premier tome introductif sur un univers vraiment neuf par rapport à cette mythologie de la brume, de monde intermédiaire où on ne sait pas encore trop les personnages qui peuplent. On sait bien qu'il y a des vampires, on sait bien qu'ils ont un petit peu un pied dans chaque monde, mais on n'a pas encore toutes les indications. On a introduit juste ce monde. C'est malheureux que seulement ce soit fait de manière aussi complexe. C'est fait dans des dialogues, c'est déjà bien. Et heureusement, on ne nous a pas tout mis d'un coup, parce que là, je pense que ça aurait été imbuvable. C'est au fur et à mesure qu'elle discute avec ses amis, le couple Danzinger, qui lui explique un petit peu ce qu'est la brume, dans quoi elle met les pieds, qu'on apprend avec elle ce que c'est. Donc heureusement, c'est distillé comme ça en petits morceaux, mais il n'en reste que ça reste très, 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 très complexe. Voilà, donc ça c'était le reproche Voilà, donc principal je à voulais faire. aussi vous dire que le tome 2 est sorti. Il s'appelle Poltergeist. J'ai ici la petite vignette à vous Donc on va essayer de montrer. finir là-dessus. Alors je vais juste vous lire un petit passage pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit brumeux du livre. Alors, j'ai senti de la glace ramper sur ma peau, mais je me suis interdit de bouger. J'ai pris une profonde respiration, puis une autre. Ça me faisait du bien. De quoi avais-je peur? Cette fois-ci, rien ne me menaçait directement.
Peu importe ce qu'étaient ces ombres, elles ne se souciaient pas de moi. J'ai secoué la tête et regardé autour de moi. Une silhouette sombre et nébuleuse m'observait. Je me suis levée et j'ai commencé à m'éloigner. Elle m'a suivie. J'ai couru en direction de mon bureau. Tout le quartier de Pioneer Square semblait envahi par ces ombres étranges. Je me suis plaquée contre un immeuble, prise de vertige. De vraies voitures se mêlaient à des véhicules surgis du passé dans le brouillard qui avait envahi la route. Des fantômes de chevaux et des motos traversaient la place sans faire attention, à quelques centimètres de piétons bel et bien réels. Des silhouettes fantomatiques se levaient et s'entassaient sur les trottoirs. L'ombre d'un arbre gigantesque, qui avait dû être coupé plusieurs centaines d'années auparavant, remuait ses branches tout près du buste de Chief Self de la tribu des Duwamish. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je devais franchir ce labyrinthe à la fois solide et immatériel et me mettre à l'abri, dans un lieu où ils ne pourraient pas me trouver. Traînant les pieds sur le béton et l'asphalte du monde réel, j'ai traversé la rue au milieu d'une foule de touristes accompagnés de leur guide. J'ai tressailli en apercevant un cavalier et sa monture traverser la foule sans effet apparent. Puis j'ai failli tomber en évitant de justesse un lampadaire. En me concentrant sur les objets du présent, j'arrivais à repousser temporairement le passé. Les yeux rivés aux lampadaires et aux arrêts de bus, j'ai réussi à traverser ce monde de vapeurs opaques pour rejoindre mon vieux ranch. Je me suis engouffré à l'intérieur. Dans ma vieille camionnette vert olive, je me sentais en sécurité. Je suis restée assise quelques instants pour reprendre mon souffle. Puis j'ai démarré. Une fois sur l'autoroute, le présent avait totalement repris le contrôle. Voilà, donc ça c'était un petit extrait pour vous montrer un petit peu l'état d'Harper par rapport à la brume, et surtout c'est au début du roman, une fois qu'elle s'est vraiment demandé dans quoi elle mettait les pieds. Voilà, donc comme ça, ben, vous vous rendez compte un petit peu du style. Comme vous voyez, c'est un style qui est plutôt quand même agréable et qui est plutôt bien recherché. Donc il y a vraiment un bon mélange entre les descriptions, les dialogues, et tout ce qui est en tout cas descriptif et narratif n'est pas du tout pompeux, n'est pas du tout... Il n'y a pas des lenteurs particulières. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Donc, je vous le conseille. C'est une bonne lecture. Maintenant, j'ai hâte de me lancer dans le 2. Pourquoi hâte? Tout simplement parce que j'ai peur d'oublier le principal de cette mythologie un petit peu nouvelle pour moi. Et je me dis, bon, ben voilà, ici, j'ai un début d'explication concernant bien des choses. Et maintenant, ben, j'aimerais bien aller plus loin. Donc, à mon avis, je vais lire le tome 2, j'espère, très rapidement. Voilà, ben, j'espère que cette petite book review vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.